Paul, ce jour-là, notre maître avait passé la matinée à nous raconter un épisode fort intéressant de la vie de nos ancêtres les Gaulois. Un régal. La tribu des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, vivait dans la plaine. Quelques kilomètres plus loin, c'était le village des Romains. Son chef César possédait une longue vue magique qui lui permettait de voir le monde entier. Herveus, l'ambitieux, croyant que c'était une caméra de télévision, se posa devant pour être vu. « Écarte-toi de là, imbécile !» lui cria César qui scrutait l'horizon. « Je veux savoir si ces sacrés Gaulois sont toujours là. » Si les Gaulois avaient su, ils ne seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les blonds Gaulois, avaient été malins comme nous. César regarde dans la lunette et qu'est-ce qu'il voit? Là-bas, dans le lointain, Vercingétorix et ses hommes tiennent une palabre tribale. Les Gaulois sont toujours dans la plaine, dit César en souriant. C'est aujourd'hui que nous allons les capturer. Et toute la tribu romaine d'Alice. Oui, César, oui, César. C'est la foule qui crie sa joie. Les Gaulois ne savent pas que César les voit dans sa longue vue magique. Hein. Tout doucement, ils continuent de fomenter leur petit complot contre les Romains. Voyant le danger qui les guette et emporté par le récit de notre maître, moi je crie aux Gaulois. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez à rester dans la plaine? Sauvez-vous tout de suite. Sinon, les Romains vont vous attraper. J'ai crié si fort que notre maître m'a puni pour bavardage intempestif pendant sa leçon. Tant pis, car moi je continue toujours de penser que si les Gaulois avaient su, ils ne seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les blancs Gaulois, avaient été malins comme nous, j'aurais loué un avion. Je serais taillé en Afrique. C'est une bonne idée. Caché dans la forêt de Tarzan, puisque César les aurait pas vus. César et ses hommes arrivèrent comme une tornade à l'hivernage et capturèrent tous les Gaulois, du premier au dernier. Je les avais pourtant prévenus. Hein. Il fallait voir ça. Ils amenèrent toute la tribu gauloise en captivité dans un autre village. Vercingétorix prisonnier avec ses dignitaires. Bouillonix, Endormix, Pessimix, Naturalix, etc. Ce jour-là, tu entends ça. Ce jour-là, c'était le ciel lui-même qui leur était tombé sur la tête. Aïe, 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 aïe. Si les Gaulois avaient su, c'est pas resté dans la plaine. Si les ancêtres, les blancs Gaulois, avaient été malins comme nous, j'aurais loué un avion. Les Suisses n'avaient qu'à leur prêter des sous. Je serais taillé en Afrique. Avec Herbergé, tu le crois. Caché dans la forêt de Tarzan, jusque César les aurait pas vus. Si les Gaulois.